Il faut, bon voilà, on va mettre le pied dans le plat. Vous êtes en train de vouloir nous dire qu'elle n'est pas que conseillère ou Mais tout diplomate, mais elle va monsieur, beaucoup plus loin que ça. monsieur, 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 monsieur Christian Perrin, j'ai aimé l'expression de mon jeune frère Momo Ondako. Il a dit, le Congo, ce n'est pas la plantation de monsieur Denis Sassou Nguesso et son clan. Ce n'est pas la plantation de Denis Sassou Nguesso et son clan. Je mets le doigt là expressément pour le dire. Le Congo, c'est un patrimoine commun. Denis Sassou Nguesso ne peut pas se permettre pour ses plaisirs de vendre le Congo au plus offrant. Ce n'est pas possible. J'ai 60 ans aujourd'hui, je ne peux pas l'accepter. Je suis acteur politique, je ne peux pas l'accepter. Les indices les plus concordants le laissent à supposer et je peux confirmer aujourd'hui que cette dame est devenue la maîtresse de M. Denis Sassou Nguesso. Et en cela, il y a une faiblesse. Tous ceux qui viennent voir Denis Sassou Nguesso pour cette dame-là, la réaction, c'est de dire, tu reviens, demain, je te vire. Et il a même dit à un, je taise le nom, dans le système, que si tu continues à venir me parler de cette dame-là, je vais te renvoyer d'où tu venais, où tu battais les tam-tams, je ne sais où. C'est pour vous dire à quel point le pays est pris en otage par une dame, une espèce de Raspoutine. Si c'était que les histoires de Sassou Nguesso, Aspe Brasse, souvenez-vous, Monsieur José Diego, avec Aspe Oui, Brasse, mais il José gérait Aspect. ces histoires de bœufs, je ne sais pas quoi. Personne ne s'en occupait parce que c'était des histoires, c'était des questions privées. José Diego a fait la prison et tout. Il a détourné de l'argent et tout. On en a parlé, mais on va dire. Mais là, c'est l'État, lorsqu'elle prend un partenaire turc pour l'emmener au Congo et lui céder le port de Pointe-Noire, qui est un levier de souveraineté de notre pays. Lorsqu'aujourd'hui j'apprends que les Rwandais sont en train de prendre le contrôle des télécoms de notre pays. Bonjour Guy Mafimba-Motoki. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver en tout cas. Merci, vous êtes opposant politique au pouvoir actuel de Brazzaville, résident en France. Le 26 juillet 2023, vous vous souvenez, il y a 7 mois, sur ce même plateau de TRTVR7, nous échangeions sur la présence mystérieuse de Françoise Joly à côté du chef de l'État congolais, le despote Denis Sassou Nguesso. Elle serait une vraie espionne. Une émission que je conseillerais donc à ceux qui n'ont jamais suivi cette interview de la retrouver sur Facebook ou sur YouTube, intitulée L'axe Kigali-Brazzaville, facteur de risque d'instabilité pour la sous-région Afrique centrale. Une émission qui avait fait réagir Kigali, Brazzaville et Kinshasa. 7 mois après, à nouveau un rebondissement dans l'affaire Françoise Joly. Que vous inspire ce rebondissement? Monsieur Christian Perrin, je suis à la fois heureux et en même temps conscient du fait que vous et moi, nous avons attiré l'attention des Congolais de la RDC comme des Congolais de chez nous, en tout cas l'opinion nationale et internationale, depuis le 12 avril 2022. C'était la première émission que nous avons eu à organiser sur votre plateau, juste. Non, le 17 avril, juste après la signature des accords entre Kigali et Brazzaville, le 12, et nous avons organisé une émission le 17 avril 2022, la première émission, où nous nous sommes lancés dans une espèce de décryptage pour essayer de dévoiler l'agenda caché qui sous-entendait les accords entre Kigali et Brazzaville, les 8 accords. Et nous avons relancé le décryptage, l'examen de ces accords le 26 juillet 2023, comme vous le disiez tout à l'heure, et là où nous sommes partis plus loin et nous avons réussi à identifier le rôle majeur qu'a joué Madame Eva Joly dans la signature de ces accords. Et d'ailleurs, cette émission qui a connu un succès considérable, en tout cas toute plateforme confondue, nous étions à plus de 300 000 vues,
à Brazzaville, à Kinshasa, un peu partout dans le monde. Mais surtout, ça nous avait déjà valu, souvenez-vous, des menaces du côté de Brazzaville, notamment à travers cette dame. Et la rédaction de TLTV a été obligée de monter au créneau pour attirer l'attention de ce que les menaces n'allaient pas nous faire peur, mais bien au contraire, on espérait que les Congolais devaient prendre à bras le corps ce dossier. Et aujourd'hui, je suis très heureux, je disais tout à l'heure, de voir des jeunes compatriotes comme je venais de suivre tout à l'heure Monsieur Ondako Momo, Belingué, notre frère Didier Ivolo, et tous aujourd'hui, nous avons pris corps, nous avons pris corps de ce dossier, et parce que ce dossier, bien entendu, cette dame représente, est devenue une véritable menace pour des questions de souveraineté, pour des questions d'intérêt supérieur de la nation de notre pays, et bien entendu sur l'état même du régime de Brazzaville. Est-ce que il y a encore un pilote dans l'avion Congo-Brazzaville? C'est la question que nous allons essayer de répondre tout à l'heure. Merci Guy Mafimba. Alors le problème, semble-t-il, se poserait au niveau de son statut très ambigu en plus, au vu également de son implication dans les affaires de détournement du pétrole congolais. Représentant personnel de Denis Sassou Nguesso, nous l'avons dit tout à l'heure, pour la stratégie et les négociations internationales avec rang de ministre. Ce qui lui permet d'ailleurs d'échapper à tout contrôle, ni le Sénat, ni l'Assemblée, ni le gouvernement, ni encore la justice qui est aux ordres, bien sûr, du tyran Sassou Nguesso, ne peuvent surveiller son activité, en sus d'être de nationalité rwandaise. Dans la pratique, tout le monde a observé, bien entendu, elle est plus qu'une diplomate. En fait, elle assumerait les fonctions de diplomate congolais à l'extérieur. Que vous inspire ce personnage, parce que finalement les voix commencent à s'élever pour dire ben non, c'est beaucoup plus. Ils peuvent se tromper, mais les hypothèses hein, sont émises pour dire que c'est une infiltration au sommet de l'État. Monsieur Christian Perrin, Monsieur Denis Sassou Nguesso a connu, à ma connaissance, pas mal de conseillers spéciaux, encore peut-être en fonction. Pardon. Vous avez entendu parler de Monsieur Jean-Yves Olivier, un lobbyiste. Jean-Yves Olivier. Vous avez entendu parler de Monsieur Abbas Haïdara. Il est de l'Afrique de l'Ouest, conseiller spécial de Monsieur Sassou Nguesso. Il était aussi un espèce de ministre dominici. Jean-Paul Pigas. Des dépêches de Brazzaville. Mathieu Pigas, de la banque, l'ex-banque Lazare, Lazare oui. et puis du Monde. Dominique Strauss-Kahn, José Viega, Asbebras, qui a fait la prison du côté du Portugal. Monsieur Pondino, qui était aussi dans les cercles rapprochés de Monsieur Denis Sassou Nguesso, et Monsieur Odjedj, sous Voilà Sassou celui qui a 1. fait vendre le jet Voilà, présidentiel. voilà, voilà. Donc, on voit bien que M. Denis Sassou Nguesso a souvent travaillé avec des étrangers pour sa diplomatie, pour mettre en branle sa diplomatie. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur la nature de la diplomatie congolaise au temps de M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas ces 27 dernières années. Mais pourquoi le cas François Joly pose? Pourquoi ça devient problématique? Déjà, pour une simple raison, elle est. Il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de traçabilité sur l'itinéraire de cette dame. Mais ce qui a attiré mon attention le 26 2023. 2023, c'est d'abord sa nationalité. Lorsque j'ai vu sa nationalité d'origine rwandaise et j'ai vu les accords, notamment les accords militaires et autres de vente, je me suis dit, il y a un souci. Mais monsieur. Que cela ne pouvait pas être une coïncidence. Ça ne pouvait pas être une coïncidence, parce que elle est recrutée le 21 et le 22, on signe des accords, et pas des moindres. Jusqu'alors, personne n'a jamais vu le contenu de ces accords-là. Mais par contre, j'ai convoqué l'histoire, j'aime bien convoquer l'histoire, et je suis parti suivre un dossier de monsieur Didier Mumengi. Qui est Didier Mumengi? Son père, c'est un Lumumbiste. C'était un Lumumbiste. Et c'est le compagnon de Ndjé Kabila.
Kabila père. Père, Il a, Laurent Désiré. voilà, Laurent-Désiré Kabila. Et il a donné une interview près de vos collègues de BFM, une chaîne de la RDC, où il a essayé de démontrer la nature même du régime de Kigali, de M. Kagame, et notamment des Tutsis. Et je tenais, parce que j'ai suivi pas mal de sorties, mais il y a un élément que nous devons comprendre pour comprendre aujourd'hui les raisons d'être de cette dame au Congo-Brazzaville. Monsieur Didier Malinga nous explique ceci, que bien entendu, l'histoire était un instrument véritable hein, pour fabriquer des solutions. Et il explique ceci. Au XVIe siècle, lorsque nous sommes encore au XVIe siècle, le noyau primitif même de l'actuel Rwanda, ça s'appelait Gasabo. C'était aux encablures de Kigali actuel. Ça s'appelait Gasabo. Ça s'appelait Gasabo. Et toujours au XVIe siècle, le troisième roi, il s'appelait Kigeri I Namwechera. Et le concept, le nom de Namwechera, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nouveau royaume qui a comme frontière l'horizon. Le nouveau royaume qui a comme frontière l'horizon. Comme quoi, sans frontières, en fait. Il n'a pas de frontière. Et ce roi va planter un arbre au milieu du village. Cet arbre va s'intituler Umangana Zasiaro. Ça veut dire quoi? Le triomphateur sur le pays étranger et il faut conquérir les territoires. Monsieur Christian Perrin, j'ai pris soin de m'appesantir sur cela. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez Kagame d'où il vient, Kagame, je passe très vite, là où on était dans le 16e, 18e siècle et autres. Et puis Kagame, avec tout ce qu'ils ont connu, Hutu, il s'est retrouvé en Ouganda. Formé par les Américains, ce monsieur a été patron des services au temps de l'Ouganda pour conquérir avec le FPR le pouvoir à Kigali. Une fois qu'il a conquis le pouvoir à Kigali, il est resté dans la traçabilité de ce que je vous dis tout à l'heure là. C'est-à-dire que c'est dans l'ADN même du peuple Tutsi de se dire que nous sommes nés pour conquérir d'autres territoires. Parce que c'est depuis le 18e siècle que les premiers rois de Gasoba et actuel Rwanda ont commencé à conquérir d'autres territoires, notamment l'est du Kivu. Ça veut dire quoi, monsieur Christian Perrin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe à l'est de la RDC et ce qui va se passer au Congo, si on y prend garde, nous devons intérioriser cela. Cette dame-là, c'est un peu comme les sionistes. Le sionisme, c'est quoi? C'est une doctrine. L'État d'Israël, quelle que soit la génération, on explique à toutes les générations que l'État d'Israël, c'est tout ce qui est aujourd'hui jusqu'au niveau de la Palestine. Mais c'est ce qui s'est passé avec le fameux Tutsi Power, Oh d'ailleurs, oui, que M. petit Onana port. explique très bien. J'ai voulu rester longtemps là-dessus pour comprendre en fait l'endoctrinement que cette dame manifestement a pour se retrouver aujourd'hui au cœur du pouvoir de Brazzaville, parce que le Brazzaville est aussi devenu un pouvoir à conquérir. Elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle a été endoctrinée depuis de génération en génération. Elle fait partie de cette génération qui aujourd'hui est en train de dérouler l'agenda depuis le 16e siècle de ce qu'on appelait à l'époque Gasabo, puis Rwanda à travers les différents rois et aujourd'hui Est-ce Monsieur que Paul Kagame. je suis en train de comprendre avec vous que Kigali veut prendre Kinshasa en tenaille, c'est ça? Mais là, nous sommes dans le premier aspect, le premier objectif de cette dame-là. Le premier objectif de cette dame-là, nous l'avons expliqué la dernière fois,
c'était de faciliter les accords entre Kinshasa, non, Brazzaville et Kigali, d'être au cœur du système du Congo-Brazzaville et de faire signer n'importe quoi à M. Denis Sassou Nguesso. Elle a réussi, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle est au cœur du système et fait peur à tout le monde. Et l'un des premiers objectifs, c'est-à-dire une des contreparties de ces accords, parce qu'il y a des accords militaires que jusqu'à aujourd'hui, personne nous a montré le contenu. On C'était n'en a même pas parlé dans les médias congolais, c'est jamais, curieux. Pour jamais. retrouver évidemment ces reportages, il faut aller sur, disons, dans la presse rwandaise, mais au Congo, personne n'en parle, personne. Voilà. L'accord militaire, je suppose, nous, je suppose pas, je confirme aujourd'hui, je confirme ma thèse que cet accord avait une contrepartie. Vous laissez le FPR s'installer pour essayer une dévolution monarchique à travers M. Christel Sassou Nguesso ou conserver le pouvoir à travers lui-même Denis Sassou Nguesso. Et en contrepartie, nous allons nous installer pour être à portée de canon de Kinshasa. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est les aspects financiers et autres. On va y arriver. Où vous voyez cette dame-là maintenant être à la fois dans un conflit d'intérêts, travailler avec des traders et autres. Autre aspect, cette dame qui devient presque un VRP du Congo où elle va aller céder le port de Pointe-Noire à des Turcs et autres. On va y revenir. Aujourd'hui, elle est en train de se balader du côté de l'Azerbaïdjan. On sait un peu pourquoi. Donc, pour répondre à votre question, oui, elle est en train de réussir son objectif d'installer les forces rwandaise au Congo-Brazzaville. Je vais vous faire encore une révélation. En préparant l'émission, j'ai eu vent des informations assez troublantes. Aujourd'hui, il y a une présence des commerces rwandais dans les points stratégiques de Brazzaville que les Congolais vérifient. Les Rwandais ont des commerces qui ont des prix, mais qui défient Toute concurrence. toute concurrence. Au rond-point de Bifouti, au rond-point Total, au rond-point Texaco Latchemi, au rond-point Mungali et à Mazala, il y a des commerces. Il y avait des commerces, mais des Hutus rwandais. Mais il y a des nouveaux commerces proches des Tutsis rwandais ou des Hutus qu'on a retournés, qui ne sont pas des commerces, on va dire, banals, mais c'est des commerces dans une espèce de poste. Comme l'a dit Idever Mouani, on va y revenir, des postes dormants pour une écurie donnée. Je mets à défi quiconque viendra me dire le contraire ou d'aller vérifier dans ce que je viens de lister s'il n'y a pas des commerces qui se sont installés et qui font des prix qui défient toute concurrence. Je tiens à dire aussi, monsieur, parce qu'après, ils vont nous dire nous sommes des xénophobes. Mais non, il y a une législation congolaise qui interdit le petit commerce aux étrangers. Je lance un défi à M. Sylvou d'aller vérifier l'implantation de ces commerces et quelle est la traçabilité, comment ils se sont retrouvés avec autant d'argent pour vendre des produits à des prix aussi bas. Mais je pense que ces commerces-là, ce sont des postes avancés d'une écurie en connivence avec les forces rwandaises. Alors, face à toutes ces menaces, on se rend bien compte que finalement, les jeunes Congolais semblent avoir pris conscience. Alors, ils n'y sont pas allés de main morte. Ils sont donc montés au créneau face au silence complice, il faut le dire comme ça, de toutes les institutions de la République du Congo et pourquoi pas de l'opposition congolaise. Alors, en réaction contre cette prise de conscience par la jeunesse, le cabinet de Denis Sassou Nguesso a brandi plutôt des menaces par un communiqué signé des mains de Florent Antiba au point de traiter ceux qui vont persévérer dans la calomnie et le dénigrement, dit le communiqué, contre Madame Françoise Joly, d'ennemis de la République. Que peuvent cacher de telles menaces, selon vous? On veut éteindre le feu. On veut éteindre pas une polémique. On veut éteindre une prise de conscience des Congolais
qui refuse la vassalisation de notre pays par le Rwanda. On veut éteindre une prise de conscience des patriotes congolais de l'intérieur comme de l'extérieur sur le fait que aujourd'hui le Rwanda est en capacité de nous imposer un pantin à la tête du pays. Voyez-vous la proximité que cette dame a avec M. Denis Sassou Nguesso? On peut se réveiller un matin, M. Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas ce que je lui sais, je lui souhaite, hein? Mais Monsieur Denis Sassou Nguesso disparaît et ça va se passer comme en RDC. On va s'arranger à ce qu'on nous donne l'information réelle 48 heures après, mais entre-temps, vous allez vous retrouver avec un pantin à la tête du pays. On veut étouffer le fait que les Congolais ont pris conscience du fait que les questions de souveraineté de notre pays sont mises en cause. Monsieur Christian Perrin, aujourd'hui, partout en Afrique de l'Ouest, les peuples se sont élevés parce qu'il y avait des questions de souveraineté. Aucun peuple, c'est ce que mon frère Jean-Félix Tshikai appelle la géopolitique des populations, exige la souveraineté. Si nous ne voulons pas, si nous voulons être un pays souverain, indépendant à l'égard des pays occidentaux, des pays du bloc de l'Est, au nom de quoi aujourd'hui nous devons être le vassal du Rwanda? Voilà ces trois ou quatre raisons qui font en sorte que M. Denis Sassou Nguesso, qui a du mal à riposter par rapport à cela, parce que lui-même, apparemment, il est en otage, il s'est permis de donner la possibilité à celui qui a été son compagnon de longue date, notamment à travers le triple assassinat de mars 1997, de sortir, passez-moi le terme, ce chiffon qui n'est pas à la hauteur de son statut de directeur de cabinet d'un chef de l'État. Parce que qu'est-ce qu'il a utilisé comme argument? Tiens, nous sommes des xénophobes. Je viens de vous démontrer que j'ai listé le nombre de conseillers que M. Denis Sassou Nguesso a eu et qui étaient des étrangers. Nous les avons attaqués à l'époque. Strauss-Kahn, Mathieu Pigas, tous ces gens, on les a attaqués parce que ces gens-là complotaient pour, dans une espèce de criminalité économique et financière de notre pays. Mais là, si on attaque à cette dame, ce n'est pas par rapport à sa nationalité, mais c'est par rapport à la nature de ces commanditaires rwandais et de la criminalité politique et financière à travers ça. Et le deuxième argument qu'il a utilisé, je pense que c'était l'argument de nous menacer, de nous traiter des ennemis. Mais si, les ennemis de la République. Si M. Mafimba Guy, depuis le 26 juillet 2023, lorsque j'ai mis sur la place publique cette affaire de François Joly, s'il faut me considérer comme ennemi parce que j'ai dénoncé cette dame, oui, donc je suis dans le même registre que Massa Madeba, que Youlou, que Marien Ngouabi, que lui-même Sassou A, que Lissouba, que Yombi, tous ces chefs d'État qui n'ont jamais accepté que le Congo soit le vassal d'un pays. Même les plus grandes puissances, le Congo n'a jamais hébergé une base étrangère dans son pays. Massa Madeba a été le premier à faire en sorte que le Congo soit le premier pays à reconnaître la République de Chine, populaire de Chine. Marien Ngouabi a été celui qui chassait les ambassadeurs français lors des meetings. Yombi Opango a été le chef d'État qui a porté plainte contre la France lorsqu'ils ont coulé la potasse de Hull. Et le président Pascal Lissouba qui a voulu diversifier nos partenaires. Voilà, si on nous traite des ennemis parce que nous sommes le grand Congo qui a été un pays avant-gardiste, monsieur Christian Perrin, j'assume véritablement ce qualificatif d'ennemi. Je suis ennemi contre eux qui sont devenus les valets locaux de l'impérialisme rwandais. Parce que l'impérialisme, ce n'est pas seulement les Occidentaux. Ce que en train de faire le Rwanda, c'est de l'impérialisme parce que ce qu'ils font à l'est de la RDC, ce qu'ils font à l'est de la RDC, c'est le comportement d'un pays génocidaire. Comment expliquer que finalement tout le cercle de Denis Sassou Nguesso ne se rende pas compte que finalement c'est une forfaiture, c'est une trahison, le fait de nommer une dame comme celle-là à ce poste qui normalement
devrait et ne doit être occupée que par les nationaux. Contrairement à ce que les gens pensent, ils ne sont pas tous d'accord. Mais ils ont sacralisé cet homme. Denis Sassou Nguesso est devenu comme un dieu. Ce qui fait que tous ceux qui ne sont pas d'accord n'osent pas le lui dire. Ce n'est pas pour rien que c'est Florent Thybaa qui s'est porté garant pour publier ce communiqué complètement bidonné. Ils ne sont pas tous d'accord. Mais ils ont du mal à se réapproprier. Je parle là du PCT, le vrai PCT, le PCT canadien historique, un parti de gauche, comme je disais tantôt, qui ne pouvait accepter aucune vassalisation. Maintenant, lorsque vous regardez les contre-pouvoirs, prenez l'exemple de l'UPADES. L'UPADES est devenu un parti béquille du PCT et aussi nos opposants à l'intérieur du pays. Parce qu'il faut reconnaître que cette frange est partie de la diaspora. Mais à l'intérieur du pays, j'ai comme l'impression qu'ils se contentent beaucoup plus des problématiques, on va dire, de seconde classe. Mais l'affaire du Rwanda, cette affaire de Madame Françoise Joly, c'est une affaire qui peut faire, je l'avais dit le 26 juillet 2023, le Congo un jour peut disparaître. Si vous rentrez en co-belligérance avec la RDC, parce que vous menacez la capitale, mais la RDC peut prendre le contrôle de Brazzaville en peu de temps. Je vais vous faire une indiscrétion, monsieur Christian Perrin. Nous n'étions pas loin d'une attaque préventive de la RDC à la veille des élections en RDC. Je suis responsable, là, je vous dis de manière sérieuse. Je ne le dis pas avec gaieté de cœur. Nous n'étions pas là d'une attaque préventive parce qu'ils avaient des informations concordantes du fait qu'il y avait des éléments à Brazzaville postés pour s'attaquer à Kinshasa. Souvenez-vous de la sortie du général, comment il s'appelle encore, du général de la RDC, là, Numbi, quand il avait dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais parce que tout simplement, ils étaient sûrs qu'à l'Est, ça va attaquer et à l'Ouest, ça va attaquer. Et au nord-est du côté de Bangui, il y avait tout un programme comme ça. Et nous, comme nous sommes des hommes responsables, nous étions au courant de cette attaque préventive-là qui pouvait se faire, mais c'est une attaque légitime. Et en même temps, aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez vu le déploiement de qui? De la SADC, des Sud-Africains. L'Angola qui est en train de faire la médiation, mais qui a aussi des troupes là-bas. Et qui a donné une dernière chance à Kagame, à M. Kagame, de se repentir et de trouver une solution pacifique. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, je reviens encore sur le 26 juillet 2023, je vous avais parlé d'un axe Johannesburg, Kinshasa, Luanda, contre l'axe Kigali, Brazzaville. Mais qui est perdant? Ce n'est pas M. Denis Sassou Nguesso, c'est nous les Congolais qui sommes perdants. Raison pour laquelle la question que vous avez posée est d'une importance capitale. Que font les autorités de Brazzaville? Que fait le secrétariat national de la sécurité de M. Jean-Dominique Okemba? Que fait M. Philippe Obara? Que fait le Le président ministère de la Senaro? Défense, tout ce monde, oui. Voilà, tout ce monde. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que le problème, c'est de sauver le soldat Denis Sassou Nguesso ou être du côté du peuple, c'est-à-dire des intérêts supérieurs de notre nation? Or, ce qui se passe avec cette madame, cette dame, c'est l'intérêt supérieur de notre nation qui est en jeu. Qui est en jeu. Et donc, les intimidations ou les grimaces de M. Thibault ne nous font absolument rien. Nous allons continuer cette offensive médiatique, diplomatique et de lobbying pour mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent amener notre pays à une belligérance avec la RDC ou amener notre pays à une vassalisation au bénéfice du Rwanda. Je vais poser une hypothèse comme ça. Prenons le cas où c'est évidemment une infiltration. Hein. Imaginons que c'est une infiltration, donc une activité d'espionnage. On peut poser des hypothèses et cela n'est pas interdit. De toute façon, tout est garanti par l'article 25 de la Constitution du Congo. Et ma question, c'est de savoir qui
pourrait donc infiltrer le Congo. C'est vrai que nous parlons du Rwanda, mais derrière le Rwanda, c'est aussi l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Pour résumer la question, c'est de dire à qui profite le crime. Mais le crime profite d'abord au Rwanda et bien entendu avec un certain nombre de puissances européennes. Vous avez vu, vous avez eu vent dernièrement d'un accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda Et le Rwanda, pour oui. voilà, quelque chose de scandaleux. Au moment où le Rwanda est indexé, désigné comme le pays agresseur, et que le Rwanda ne détient pas des matières premières stratégiques, l'Union européenne va signer quand même un accord pour commercialiser l'or ou les diamants ou le coltan du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette affaire ne bénéficie pas seulement au Rwanda. Il faut extrapoler. Ça veut dire que ça peut bénéficier à Paris, ça peut bénéficier au niveau de Bruxelles. Mais je souligne une chose, Paris a été obligé de s'aligner sur la position, cette fois-ci radicale, des États-Unis, mais de manière tardive. Mais nous, on n'a pas oublié que c'est Paris qui a imposé à la tête de la francophonie l'ex-ministre des Affaires étrangères rwandais. La dame, là, si le nom Tout à m'échappe. fait, oui, il y a une, ouais, On une n'a ministre. pas oublié aussi que le chef d'État français, M. Nicolas Sarkozy, a eu à dire que la problématique qui se passe à l'Est, ce serait intéressant que la RDC puisse céder une partie de son territoire au Rwanda pour trouver une solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous disais tout à l'heure sur la fameuse doctrine depuis le roi Kingéri I est partagée par une espèce d'oligarchie aussi, une partie de l'oligarchie Oui, française. avec ce plan de balkanisation de la Voilà. RDC qui existe depuis longtemps. Comme en Belgique. Et c'est là où il faut souligner la capacité, le lobbying puissant. Ils ont des lobbies, le Rwanda a des lobbies puissants, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans l'Union européenne. Parce que lorsque M. Tshisekedi vient de faire une tournée, là, tous les pays respectifs se sont lavés les mains. Ils ont dit, mais nous, on ne comprend pas comment cet accord-là a été signé. Mais diable, chaque pays de l'Union européenne a un représentant au niveau de l'exécutif de l'Union européenne. Vous avez vu cet accord, comment vous l'avez fait passer? Chaque État a un représentant. Mais c'est le lobbying du régime Kagame qui est très fort. Alors, imaginez, M. Christian Perrin, si ils ont cette capacité d'infiltrer les organisations aussi puissantes que l'Union européenne, avoir des lobbies aux États-Unis, mais imaginez un pays comme le nôtre, où il y a, passez-moi le terme, un bordel pas possible. Les services de renseignement sont complètement tétanisés. Je viens de vous citer ici. Je suis à Paris, à 8 000 km. On vient de m'informer sur ces commerces-là. Mais imaginez aujourd'hui le niveau d'infiltration du régime rwandais au sein du régime congolais. Imaginez le niveau d'infiltration. Si un chef d'État, une dame, dont on connaît ni la traçabilité, ni les compétences, ni les faits diplomatiques ou je ne sais pas quoi, peut prendre un chef d'État, l'amener à Dubaï, aller le faire traîner. Il pouvait même l'amener dans un coin où on lui tranchait la gorge, passez-moi le terme. Mais ça dit tout sur le niveau d'infiltration de notre pays par cette dame, c'est-à-dire le Rwanda, et les puissants lobbies dans ce pays disposent. Énigmatique conseillère avec une influence mystérieuse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien le quotidien Africa Intelligence, donc une personne très mal connue finalement du milieu diplomatique, mais aussi des affaires, puisque tout ce qui est mystérieux échappe à tout le monde. Si elle était dans ce monde, on l'aurait bien connue. Alors, ici, on se pose donc la question de savoir si sa présence au niveau, disons, dans le cabinet, pas au niveau, dans le cabinet de Denis Sassou Nguesso est une défaillance, j'allais dire une erreur stratégique, ou c'est un consentement finalement de Denis Sassou Nguesso à vouloir accompagner Kigali dans son aventure, j'allais dire, contre Kinshasa.
Je pense plutôt que c'est d'abord la volonté de Denis Sassou Nguesso de rester au pouvoir. Je vais vous l'expliquer. Denis Sassou Nguesso, depuis 2016, il sait qu'il est en quête de légitimité. Il veut être reçu par Biden, par Trump, par Macron et autres. Il a besoin de ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'argent, et ça, c'est Jean-Olivier qui l'explique très bien. Il utilise son argent pour s'acheter une légitimité auprès des grands. Par exemple, laquelle il a créé son histoire de comité, de haut comité pour la Libye, qui nous sort de l'argent tous les jours. Il a créé l'histoire du fond bleu avec. Voilà. Quête de légitimité. Ça, c'est premier axe de sa diplomatie. Deuxième axe. Mobiliser les fonds. Comme c'est un monsieur qui est mauvais gestionnaire, il est toujours dans la dèche, enfin, il met toujours le pays dans la dèche. Donc, mobiliser des fonds et blanchir de l'argent. Parce que c'est un régime prédateur, il vole et il place. Deuxième axe de sa diplomatie. Et troisième axe, la diplomatie de ce que j'appelle la diplomatie de l'opportunité. Pour l'illustrer, il y a un problème en Ukraine. Monsieur Denis Sassou Nguesso appelle Jean-Yves Olivier et dit bah, crée un truc là, on va aller jouer les conciliateurs. Ah, c'est le grand médiateur. Mais il a mis de l'argent. Mais en même temps, quand Macron arrive, il dit à Macron, mais n'oubliez pas que je suis un grand gaulliste. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de l'opportunité. Il veut être opportuniste pour briller sur le plan international. Et donc, il a besoin des gens qui peuvent lui ouvrir un certain nombre de portes. Donc, dès 2021, il savait qu'il a triché les élections, il savait qu'il devient pestiféré, et ça, c'est un peu mon expérience, hein. J'ai travaillé quand même plus de 20 ans avec le président Yombi. C'est un homme qui est complexé. Denis Sassou Nguesso, c'est un homme complexé. C'est un homme qui peut se faire impressionné par tout et n'importe quoi. Vous voyez lui présenter, vous savez, Monsieur Christian Péret a un carnet d'adresses, il va trembler. Mais les Rwandais, c'est des gens qui sont vraiment en avance. Ils ont compris et ils lui ont introduit cette dame-là. Certainement, on a envoyé un CV et puis, bon, la dame est belle, n'est-ce pas? Bon, on connaît aussi cette espèce de fragilité, une curiosité à travers la gêne féminine de M. Denis Sassou Nguesso. Et c'est comme ça que les services de renseignement rwandais fonctionnent. Parce que il faut leur reconnaître un truc, c'est qu'ils savent être dans les renseignements. Ils sont dans les renseignements. Vous voyez comment ils ont infiltré le régime de la RDCA de l'époque. Donc, on a présenté cette dame-là. On a introduit cette dame-là. Selon mes informations, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, ça doit être Christelle Sassou et sa sœur, qui ont amené cette dame-là comme étant quelqu'un qui avait un carnet d'adresses. Et cette dame-là, comme elle avait été en mission aussi, ben elle a réussi à quasiment à prendre le contrôle du papa. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants commencent à se poser la question de savoir jusqu'où elle va nous emmener. Le deal est fait. Et cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, monsieur Denis Sassou Nguesso, vous avez du mal à rencontrer le président turc? Il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, comme elle est rwandaise et comme le Rwanda a un lobby partout, mais elle se sert de son pays pour aller ouvrir la porte en Turquie, pour aller ouvrir la porte en Russie, pour aller ouvrir la porte à Paris. N'oubliez pas que Paris a des connexions assez intéressantes avec le régime rwandais. Voilà comment cette dame-là s'est imposée au cœur du système Denis Sassou Nguesso. Il faut, bon voilà, on va mettre le pied dans le plat. Vous êtes en train de vouloir nous dire qu'elle n'est pas que conseillère ou Mais tout diplomate, mais elle va beaucoup plus loin que ça. Monsieur Christian Perrin, j'ai aimé l'expression de mon jeune frère Momo Ondako. Il a dit, le Congo, ce n'est pas la plantation de M. Denis Sassou Nguesso et son clan. Ce n'est pas la plantation de Denis Sassou Nguesso et son clan. Je mets le doigt là expressément pour le dire. Le Congo, c'est un patrimoine commun.
Denis Sassou Nguesso ne peut pas se permettre, pour ses plaisirs, de vendre le Congo au plus offrant. Ce n'est pas possible. J'ai 60 ans aujourd'hui, je ne peux pas l'accepter. Je suis acteur politique, je ne peux pas l'accepter. Les indices les plus concordants le laissent à supposer et je peux confirmer aujourd'hui que cette dame est devenue la maîtresse de M. Denis Sassou Nguesso. Et en cela, il y a une faiblesse. Tous ceux qui viennent voir Denis Sassou Nguesso pour cette dame-là, la réaction, c'est de dire, tu reviens, demain, je te vire. Et il a même dit à un, je taise le nom, dans le système, que si tu continues à venir me parler de cette dame-là, je vais te renvoyer d'où tu venais, où tu battais les tam-tams, je ne sais où. C'est pour vous dire à quel point le pays est pris en otage par une dame, une espèce de Raspoutine. Si c'était que les histoires de Sassou Nguesso, Aspe Brasse, souvenez-vous, Monsieur José Diego, avec Aspe Brasse. Mais il José gérait Aspect. ces histoires de bœufs, je ne sais pas quoi. Personne ne s'en occupait parce que c'était des histoires. C'était des questions privées. José Diego a fait la prison et tout. Il a détourné de l'argent et tout. On en a parlé, mais on va dire. Mais là, c'est l'État. Lorsqu'elle prend un partenaire turc pour l'emmener au Congo et lui céder le port de Pointe-Noire, qui est un levier de souveraineté de notre pays. Lorsqu'aujourd'hui j'apprends que les Rwandais sont en train de prendre le contrôle des télécoms de notre pays, souvenez-vous de la sortie de monsieur Kastanou, lorsqu'il est parti à Kigali, qu'est-ce qu'il a dit? Kigali. Après Dieu, c'est vous mon maître. Monsieur le Président, Monsieur le Président, en toute humilité, au Congo, tout le monde sait que je crains Dieu. J'aime Dieu, je suis fils de Dieu. J'ai des modèles sur terre. En termes de leadership, mon modèle après Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon modèle en termes de leadership, il se tient devant moi, c'est le président Paul Kagame. Il est le patron du Congo Télécom. Mais aujourd'hui, vous savez pertinemment, monsieur Christian Perret, vous et moi, Et les vous prenez le télécoms, contrôle des télécoms dans un pays, vous prenez le contrôle d'un pays. Oui, pendant que vous parlez de Castanou, en fait, il faut rappeler à nos téléspectateurs que ceux qui gèrent les télécommunications, c'est une branche des renseignements. Donc, quand ce monsieur va prendre pour modèle Paul Kagame, ça dit tout, je Ça dit pense. tout. Ça dit tout. Donc, on ne peut pas faire l'économie des mots. On ne peut pas faire l'économie de notre colère, oui, colère légitime, je l'assume, de constater que M. Denis Sassou Nguesso, c'est le poids de l'âge, est-ce c'est l'usure qui peut laisser une gamine, je dis bien une gamine, traîner notre pays, faire signer tout et n'importe quoi à notre pays, et que demain on va se réveiller. Il y a des créanciers qui vont se débarquer devant nous pour dire, vous nous devez ceci, vous nous devez cela et autre. Monsieur, je termine. Le port a été cédé à Bolloré aux Turcs. Toutes les routes, nationales 1, nationales 2, concédées à un consortium français et chinois. Tous les aéroports de notre pays, concédés. Mais est-ce qu'on se rend compte que le pays est en train d'être vendu? Qu'est-ce que nous Non, avons encore le comme moins effet de qu'on peut, souveraineté? le moins qu'on puisse dire, c'est que le pays est déjà vendu. Mais voilà. Et c'est quand même curieux. Et nous apprenons là des choses tout à fait. Mais bien sûr, tous les ponts entiers des Est-ce qu'on peut leviers dire de que. souveraineté sont cédés. Est-ce qu'on peut penser, comme le disent certains, c'est-à-dire certains observateurs hein, de la vie politique du Congo, qui rapportent que, bon, enfin, c'est Denis Sassou Nguesso qui l'aurait dit quelque part, qu'après lui, ça sera le déluge. Est-ce qu'on peut penser qu'il est dans cette logique? On y va là, on y va droit là. Alors, le déluge, il est déjà là, et curieusement, je vois un peu, bon, peut-être qu'il faut parler de légèreté, j'ai suivi la réaction, aussi certains audios, hein, lâchés comme ça sur les réseaux sociaux, attribués aux jeunes du Parti congolais du travail, qui viennent défendre un peu voilà, la cause de François Joly, mais aussi ce que fait Denis Sassou Nguesso ces derniers temps-ci. Et là, vous venez d'ailleurs de
relever quelque chose de très important, c'est de voir un peu plus près l'âge d'abord de Denis Sassou Nguesso, qui a pratiquement dépassé les 40, 80 ans, si je ne me trompe pas. De toute façon, il a toujours joué sur son âge, personne ne sait concrètement quel âge a-t-il maintenant là, mais au moins il a déjà plus de 80 ans, il faut le dire comme ça. Il y a aussi son mental, sa santé, et tout ça combiné avec toutes ces erreurs que nous sommes en train d'observer. Et il y a quand même des jeunes du Parti congolais du travail qui trouvent tout cela normal. Peut-être pas seulement du Parti congolais du travail, mais aussi des jeunes qui sont derrière, comme on les appelle souvent, les CCCNG chez nous, derrière les ministres, derrière ces dignitaires. Comment interpréter ça? Est-ce que c'est une forme aussi de contre-campagne ou parce que peut-être qu'ils sont dans le secret de ce qui se passe et voilà, ou ils viennent sur les réseaux sociaux pour défendre ce qu'on a longtemps qualifié ici de forfaiture et de haute trahison. Et visiblement, lorsqu'on lit la Constitution, c'est sans ambages. On comprend très bien qu'il y a trahison. Il y a haute trahison et il y a une forfaiture. Mais curieusement, il y a des jeunes tout de même qui défendent cette posture. Trois choses. Première chose, ils sont minoritaires, mais Très très actif. envahissants, très actifs, mais ils sont minoritaires. S'il n'y avait pas cette espèce de répression au Congo, vous allez voir que ça sera 100 contre 2. Première chose. Et deuxième chose, vous savez, Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit, a sacrifié trois générations, depuis 85 jusqu'à aujourd'hui. Et la dernière génération, 97, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024, c'est 27 ans, hein, c'est cela. C'est une génération complètement sacrifiée. Et cette génération, c'est quoi? C'est ce que monsieur Alain Kouala, un ami, qui disait, c'est du bétail humain politique. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est du bétail humain politique, endoctriné. Autant les Rwandais, les jeunes Rwandais sont endoctrinés à la conquête des autres territoires, mais nous sommes endoctrinés à se faire, passez-moi le terme, défoncer par les autres, n'est-ce pas? À être dans la servitude volontaire. Donc, ces trois choses réunies, il faut ajouter à cela le fait que c'était sciemment fait que M. Denis Sassou Nguesso a détruit l'éducation. Parce qu'il savait pertinemment qu'en détruisant l'éducation, il pouvait avoir comme ça la possibilité d'apprivoiser tout un peuple, sinon toute une génération. Mais j'ai fort espoir. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout tantôt lorsqu'on a commencé l'émission. Lorsque nous avons fait cette émission le 26 juillet 2023, souvenez-vous, on nous a pris pour des fous. Ah, vous êtes en train de chercher les poux sur la tête de M. Denis Sassou Nguesso. C'est des accords qui vont nous apporter plein, plein de choses. Il y en a beaucoup hier qui le disaient comme ça, aujourd'hui, qui ont retourné parce que les arguments ont payé. Donc, je suis heureux par rapport à cela, raison pour laquelle vous avez vu, j'ai pris beaucoup de temps pour réagir par rapport à ce dossier, mais je voulais amener plutôt la dimension historique pour essayer de mettre le dernier coup de sifflet, comme qui dirait, pour arrêter cette affaire-là. Donc, ça ne m'étonne pas, mais ils sont minoritaires. Il faut continuer ce travail de conscientisation et il ne faut pas céder à l'intimidation ni aux menaces. Les menaces, on les a tous les jours. Mais c'est l'intérêt supérieur de la nation parce que le Congo n'est pas la plantation de M. Denis Sassou Nguesso, comme disait mon petit Momo. Nous avons parlé évidemment de cette dame, Françoise Joly, dont le vrai nom en plus est rarement prononcé, on ne sait même pas pour quelle raison. Mais au-delà de tout, quelle interprétation, selon vous, bien entendu, pourrait avoir Kinshasa sur cette dame, sur la présence, bien sûr, de cette dame dans le cabinet de Denis Sassou Nguesso? Non seulement, comme je le disais tantôt, la coïncidence entre la signature des accords entre Kigali et Brazzaville dès 2022, au moment où à Kinshasa, l'est de la RDC était attaqué par le M23, notamment le Rwanda, mais il y a un élément qui échappe à beaucoup d'observateurs, M. Christian Perrin. Vous remarquerez, regardez toutes les vidéos des rencontres entre le président Tshisekedi et M. Denis Sassou Nguesso, jamais vous ne verrez cette dame-là, Françoise Joly, dans la délégation de M. Denis Sassou Nguesso. Pour la simple raison que
les services de renseignement de la RDC travaillent. Ils avaient demandé expressément aux autorités de Brazzaville, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, cette dame ne doit pas se figurer dans le périmètre d'une rencontre entre M. Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Parce que Kinshasa sait pertinemment qu'à travers les services de renseignement du Rwanda, ça peut être une poudre, ça peut être une main, ça peut être un baiser pour vous empoisonner. Voilà un des éléments illustratifs. Nous mettons au défi quelqu'un qui nous montre l'image de cette dame en présence de M. Tshisekedi lors d'une rencontre ou d'un déplacement. Vous ne verrez pas. Et donc, c'est là un autre indice qui conforte finalement la thèse que finalement le Congo est infiltré, parce que si déjà dans un certain milieu, les gens s'interdisent de rencontrer cette dame, et que chez nous, on note cette légèreté, je crois qu'il y a de quoi s'en prendre aussi à nos services de renseignement, à moins qu'on nous dise que finalement, elle a aussi l'emprise sur nos services de renseignement. Bien entendu, non seulement l'infiltration est actée, mais nos services de renseignement savent, mais n'osent pas, parce que, comme je vous le disais, entre-temps, Denis Sassou Nguesso est considéré comme un dieu. Et puis, les relations, plus ou moins hybrides, nous sommes dans une relation hybride. Ce n'est pas seulement des relations de travail, c'est des relations aussi intimes entre M. Denis Sassou Nguesso et cette dame font en sorte que M. Denis Sassou Nguesso, vous savez bien pertinemment que lorsqu'on est avec une dame, généralement, on n'écoute même plus. Même plus, même sa propre femme, sa propre dame. Et je peux même vous confirmer que renseignez-vous lors d'un déplacement. C'était en 2022. Les vacances de M. Denis Sassou Nguesso en Turquie, organisées par cette dame-là. Et au cours de ce déplacement, il y avait la présence, pour la première fois, Madame Sassou Nguesso était aux côtés de cette dame-là. Et depuis ces vacances, plus jamais vous verrez, quand Madame Sassou Nguesso est là, Madame François Joly n'est pas là. Voilà encore un autre indice. Je dis bien, cherchez une image où il y a Madame Sassou Nguesso et il y a Madame Joly, vous ne trouverez pas. Parce que l'incident est parti des vacances organisées par cette dame, François Joly, en Turquie en 2022, avant la mise en place de son gouvernement. Et dans la même veine, bien entendu, il y a un fichier vidéo audio, allais-je dire, un VOS qu'on a mis en ligne, qui circule sur la toile, attribué à Edvard Moigny. Et lorsque vous suivez cet audio, bien entendu, il dit un certain nombre de choses contre les dignitaires du pouvoir. Il y a là, bon, je ne vais pas retranscrire tout cela ou interpréter, mais il parle, il brandit des menaces, et il se projette un peu dans un futur proche qu'il pourrait y avoir des événements dramatiques. En fait, il parle de tout. Mais on se rend compte qu'il y a un message qu'il est en train de passer pour dire aux Congolais de se préparer. Est-ce que c'est juste une autre forme de menace pour taire un peu le sujet le sujet brûlant sur Madame Françoise Joly, ou bien on peut prendre ce voice en considération et aussi commencer à analyser élément par élément pour comprendre que finalement le Congo se dirige vers des événements, il faut le dire, tragiques. Et si ce n'est pas le cas, quelle interprétation peut-on donner à ce message? Un message des Voices que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, structuré, cohérent. Pourquoi je le dis? Et je me félicite. Il y a 2 ans de cela, j'ai théorisé sur la guerre des écuries, la bataille des écuries qui va arriver à ce qu'ils s'affrontent. Bataille des écuries qui va arriver à ce qu'ils s'affrontent. Les Voices, c'est la parfaite illustration d'un braquage. Il vous a dit. Ce sont des braqueurs. Ils ont braqué le Congo le 5 juin 1997. Ils ont Oui, il a braqué le reconnu Congo. certains. Il a Ils reconnu des vous crimes, expliquent hein, que voilà. c'est... Il a avoué. Et pour tous ceux qui nous racontent des histoires, oui, il y a eu un coup d'État. Non. Ces gens se sont arrangés avec l'impérialisme français pour détruire le pouvoir de l'Issoumou. Il a dit que nous avons créé sciemment les sécurités. On a braqué, on a tué les gens. Pour que les Congolais se retournent contre l'Issoumou en disant que
Donc, voilà les raisons de, une des raisons de coup d'État, les causes endogènes. Donc, il a dit ça. Donc, il dit, moi, je suis parmi les braqueurs. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamioko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba, ce n'était pas notre pouvoir. On a créé l'insécurité partout. Mais ça avait un but, c'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Nathan Sassou, toi qui es au moins la calme. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Donc, eh bien oui, faut le lui rappeler, puisque le vieux a tendance à oublier. Dit que ce sont des acteurs, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas aussi affaiblis. Ils ne sont pas aussi mis hors de cause. Mais c'est des gens qui observent et qui respectent le président. Mais attention, attention. Peut-être, hein, lui, il croit peut-être avoir mis ses parents, mais ils n'ont pas l'expérience de la guerre. On avait eu un petit test ici le 4 avril 2016. On a compris qui est qui. Donc, c'était un petit test. Ah. C'était un petit test. Ils étaient dans les véhicules blindés, mais ils ont vu un acteur en première ligne, chassant, tuant les ninjas. Ils ont vu ça. Ah, voilà, donc on n'est pas fini, mais on respecte. Et les armes qu'il a par rapport à sa fonction, il doit faire très attention parce que beaucoup de gens en ont. On a aussi des forces en attente, dormantes. Maintenant, depuis 27 ans, qu'est-ce qu'on constate? Que tout ne va pas. Non seulement moi-même, je me retrouve pas. Il le dit, je suis plus payé, machin quoi. Je n'ai jamais demandé, certes. Je suis quand même le parent du chef. J'étais au front. Je ne comprends pas. Maintenant, il constate, et il faut reconnaître sa lucidité, que rien ne marche. Monsieur Christian Et Perrin. pendant que tu le dis, ils sont occupés à Guy Oui. Bafimba, quelque part, il fait même une projection sur ce qu'on appellerait un nouveau gouvernement, parce que Tout à fait. il rebat les cartes, comme on le dit, pour Tout à fait. proposer un tel autre, un tel poste, un tel autre. Tout ça, c'est. Mais c'est lui, il fait partie d'une écurie. Et il estime que l'écurie d'Okemba et de Ndenge, non seulement ils n'étaient pas au front, peut-être qu'ils faisaient des fétiches, mais ils n'étaient pas au front. Mais on leur a donné la responsabilité de sécuriser le pays et le pays n'est pas sécurisé. Et donc il estime que l'insécurité là ne va pas toucher seulement le citoyen lambda, ça peut nous toucher nous-mêmes. C'est là où il parle et dit, mais d'une manière ou d'une autre, on va arriver à un affrontement. Moi, je préfère tailler la zone, aller peut-être aux États-Unis. Bref, ce qui est déjà deux choses qu'il faut souligner. Un, il reconnaît que c'est eux qui ont détruit, qui ont sciemment fait tomber les Souba. Deux, il reconnaît que tout, rien ne marche, aucun secteur. Mais il dit, au moins au niveau de la sécurité, on peut conserver le pouvoir. Mais même là, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de tête. Mais en disant ça, là, il est en train de vendre maintenant l'approche de son écurie. Monsieur Christian Perrin, nous sommes au comble même de la bataille des écuries, suite à une autorité de plus en plus déclinante de M. Denis Sassou Nguesso, dû au fait que, comme ils savent qu'il n'a pas de légitimité, il n'a jamais gagné une élection, comme ils savent qu'ils ont braqué ensemble, mais toi tu es en train de bouffer seul, demain tu vas fuir, nous qu'est-ce qu'on va devenir? Et quand on parlait après moi le déluge, c'est le cas de le dire. Parce que pourquoi? Pourquoi je le dis? Hier, on avait au moins une armée structurée, régulière, avec des officiers républicains. Dernièrement, j'ai relu la lettre de 2006 du général Emmanuel Golondele. 2006,
où il a attiré l'attention de M. Denis Sassou Nguesso sur les questions de sécurité, de gestion et autres. J'avais l'impression qu'il a écrit la lettre aujourd'hui. Ça s'est amplifié. On n'a plus ce genre d'officiers républicains. J'espère qu'ils sont toujours là. Mais en fait, M. Idever Mouani, il faut lui rendre hommage. Il vient de dire ce que nous disons depuis pratiquement 15 ans, 20 ans, que M. Denis Sassou Nguesso est le véritable, comme j'avais dit, le jour où le destin du Congo a croisé ce monsieur, ça devient une calamité. Il vient de reconnaître que, sans le dire, M. Denis Sassou Nguesso est une calamité. Maintenant, ce que je suggère à M. Idever Mouani, ils doivent prendre le courage de se retrouver, aller parler, même en langue, en mbochi, à M. Denis Sassou Nguesso, que papy ou papa ou oncle, le Congo ne t'appartient pas. Comme Tolembi, Tobengisabana, tout en mboka, qu'on se retrouve pour trouver une solution, qu'on sorte par le haut. Je répète, qu'il s'organise. Il a parlé des gens qui peuvent le parler, comme le vieux Peter Robat, comme, comment il s'appelle, Roland Tiba, qui partent le voir, qui le parlent en Mboshi ou en, je ne sais pas quoi, pour lui dire non, Mbokayeri a bisauté, ce n'est pas notre plantation. On n'est pas au Est-ce Bénin. que il n'est pas passé par cet audio pour faire écouter, en fait, entendre sa voix, se rendant bien sûr compte que Denis Sassou Nguesso n'est plus voilà, accessible, peut-être par rapport aussi à la présence de Françoise Absolument. Blé, qui sait, et puis le dire comme ça, et savoir qu'il est, j'espère bien qu'il est au Congo-Brazzaville, et ne pas s'inquiéter des risques ou des conséquences d'un tel message. Apparemment, derrière lui, il y a bien des protecteurs aussi. Oui, mais en même temps, moi, je lui rends hommage. Protecteur ou pas protecteur, il a fait preuve d'un politique. Le politique, c'est celui qui sait se mettre au-dessus de la mêlée en voyant les intérêts supérieurs de la nation, même si c'est brocardé. Mais au moins, il reconnaît que nous avons échoué. Mais ils sont nombreux hein, à reconnaître qu'ils ont échoué. Hein. Maintenant, ils doivent s'organiser pour aller voir M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit en second plan, le déluge là, ça ne sera pas un déluge entre eux là-bas. Hein. Ça risque d'être un déluge entre le voisin qui va te charcuter. Hein. Ça sera le déluge entre les voisins parce que 99% des Congolais aujourd'hui veulent le changer. 99% des Congolais aujourd'hui sont dans une colère froide, dans des frustrations, ne supportent plus l'injustice. Ils sont dans la misère et tout, et ils voient une minorité des gens en train de se pavaner comme ce pays, comme si ce pays-là leur appartenait. Ce n'est qu'une illusion. On a vu les Mobutu. On a vu on a vu tout ce monde là passer. Et donc, par rapport à Voice, moi d'abord, je lui rends hommage, même si aujourd'hui il a conforté ce que nous avons toujours dit par rapport au président Lissouba. Mais je lui rends hommage, au moins il a pris conscience que rien ne marche. Donc on ne dira pas que Mafimba et Christian Pérez sont des ennemis. Ce qu'il a dit là, c'est ce que nous disons depuis 15 ans. Donc, qu'il aille voir leurs parents. Pour lui dire que le Congo ne lui appartient pas. Parce que, d'une manière ou d'une autre, monsieur Christian Perrin, je termine là-dessus. Nous sommes en 2024. Nous sommes dans un monde où on estime que le Congo, le bassin du Congo, c'est une centralité géostratégique, convoitée. Et aujourd'hui, pour trouver les alliés, afin de vous aider à ramener le pays à flot, ce n'est pas les alliés qui vont manquer. Que ce soit dans la sous-région, que ce soit à l'international. Et moi qui vous parle, pour mes 60 ans, j'estime que le pays m'a tout donné. Aujourd'hui, il est plus que jamais. S'il faut aller au Congo, qu'il nous arrive quoi que ce soit, nous irons au Congo pour dire à M. Denis Sassou Nguesso, le Congo ne vous appartient pas. Si vous avez échoué, nous vous tendons la main pour qu'on sorte par le haut. Maintenant, si vous estimez que la force, c'est votre monopole, obotamment pendant Obeta Baninga, pendant Okanga Baninga, ben, comme tu as affaire avec
tes collègues de ta promotion, tu as fait avec les autres, ben, nous, on viendra. Tu feras la même chose et les moments viendront. Mais je pense que toute chose a une fin. Et il est plus que jamais qu'ils suivent les conseils de M. Idéver Mouani, qui l'a accompagné à braquer le Congo un 5 juin 1997. Voilà ce que je pouvais dire pour mon dernier mot. Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Guy Mafimba Motoki. Je rappelle que vous êtes opposant politique au pouvoir actuel de Brazzaville et merci d'avoir été disponible. Je vous en prie, mesdames, messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Mais surtout, n'oubliez pas de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette interview pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt, mais surtout, portez-vous très bien. Merci.